Vers 10 heures, Louis XIV, roi très chrétien, se rend à l'office de la chapelle accompagné de la famille royale. C'est un moment privilégié où chaque courtisan tente de l'approcher pour lui demander une faveur. Un regard, une parole, tout est filtré par le capitaine des gardes ou le premier valet de chambre. Pendant la messe, le roi se place à la tribune royale. Celle-ci, située au premier étage, est de plein pied avec son appartement. Les princes se mettent à la rangette, de part et d'autre du souverain. Derrière le roi se placent les grands officiers comme le grand maître de la garde-robe, le grand chambellan ou le capitaine des gardes. Les courtisans et les dames de la cour se répartissent dans les tribunes latérales et au rez-de-chaussée. Menée par un chapelain aidé de deux clercs, la messe se déroule en musique. Le roi ne communie pas chaque jour. En revanche, il le fait lors des grandes fêtes que sont Noël, Pâques ou encore la Toussaint. À ces occasions, il assiste à la messe au rez-de-chaussée. L'office se termine par une dernière prière pour le roi avant qu'il ne se rende au conseil.